de Scientist et on se retrouve pour une nouvelle expérience où on va se rafraîchir un peu vu qu'on va faire des Mr. Freeze. Donc je sais pas si vous connaissez, c'est des petits bonbons glacés qui sont très rafraîchissants, surtout quand il fait chaud. Ce qui n'est pas le cas ici parce qu'à Montréal il fait froid. On va commencer avec. On va vous montrer les ingrédients. Donc il faut des sacs Ziploc. Là on a plusieurs. Des demi-sacs Ziploc. Oui, les plus petits possibles en fait. Après, il vous faut du colorant. Donc là, on a pris du colorant orange. Nous, pour ce colorant, il faut une pipette, mais il y en a, c'est direct avec un pot de bouche. On vous conseille le orange car le orange, ça, c'est très bizarre, mais avec le cerveau, avec les couleurs, donne une impression que ça a un meilleur goût. C'est plus appétissant. Voilà. Plutôt que du vert, ça va pas être très appétissant. Il va falloir du sucre, comme pour tous les bonbons, et il va falloir de l'eau qu'on va glacer. Donc, on va mettre de l'eau en. Il faut. Mettez-en en petite. Il faut faire petit à petit. Petit à petit. Oui. Donc, là. Voilà. Donc, c'est en petite quantité. Et si on a besoin de plus, on en mettra plus. Stable comme ça. Tu veux le dire? Ça c'est bien. Donc ici et on va mettre du sucre. Donc le sucre, ça dépend de vos goûts, mais mettez-en quand même pas mal parce que sinon ça va pas être super bon. Donc ça va glacer, mais il n'y a pas besoin. Donc ça va glacer, mais là c'est en dépôt, donc il faut que ça se dissoude. On va aller juste chercher une petite cuillère pour un peu, remuer. Donc, on prend une petite cuillère et on va remuer pour dissoudre. Faut que tout soit bien dissous et si ça se dissout pas, et ben, mettez plus d'eau. C'est toujours ça de fait. Et le colorant, c'est à la toute fin. Donc... Ouais, on remet un peu d'eau et on met un peu d'eau. Je sais pas que je sais déjà bien mélanger. J'ai déjà mis du sel dans la main. Ça va, ça va. Pour les premières. Donc, ça se dissout quand même assez bien. On voit encore les cristaux de sucre, mais quand ça va glacer, ça va être. Donc, là. On prend notre colorant et on met la pipette et on bien tout colorer, mais il faut quand même que ce soit encore translucide ou transparent parce que il faut pas que ce soit trop parce que sinon c'est moins appétissant si on voit pas à travers. Donc ici. Donc pour cette expérience, on s'est transformé en fin gourmet. Et avant de mettre, donc on va bien fermer. Et avant de mettre tout ça dans le congélateur, bien sûr, il faut de préférence enlever l'air, le plus d'air possible. Pour que ça, en fait, que ça glace mieux que ça. Bon, en fait, si un tel pot va un peu grossir, puis ça va. Donc, et vous le pliez. Pour que ce soit comme en tube. Comme ça. Donc voilà. On va le plier et on le met dans le congélo. Donc. Directement. Et après, vous allez pouvoir ensuite on le remettre dans le congélateur. Et on va le trouver donc pour que ce soit prêt pour le gros. Donc, après, on vous dira combien de temps ça a pris. On met nos Mr. Freeze comme ça, ça dépend du nombre que vous voulez, mais pensez à les mettre en cube, parce que si vous les mettez comme ça, Mr. Freeze vous les a restés comme ça. Et c'est moins utile pour le mettre. Donc, on met comme ça, continuer, et il va. La plaque va nous faire un petit Mr. Freeze, nous on va en faire ça. Donc, voilà. Donc,
Donc voilà, après environ 2 heures. Après environ, c'est ça, 2 heures ou même une heure. Ça fait environ deux heures qu'on a fait glacier. Donc on a nos... Bon, il y en a qui agitent là un peu partout. Mais on va mettre donc un. Ça c'est le mieux fait. Voilà. Donc ici. Et on va vous montrer comment on va le manger. Tout simplement. Vu que là on est passé à la phase finale, la dégustation. Donc lui, on prend les ciseaux. Donc il y a deux manières de le manger. Il y a la manière pour vraiment sentir le feeling de des mystères prises. Donc on coupe et on mange comme ça. Ok. Et il y a l'autre manière, un peu plus sûre. On recuire. Et on mange. C'est plus. Moi j'aime bien manger de la manière Mister Freeze, mais moi j'y arrive, mais les autres n'y arrivent pas forcément. Donc si vous savez pas si vous allez y arriver, pour pas vous tâcher, pour que le colorant s'attache, vous faites comme ça et sortez. Voilà. Franchement, vous pouvez voir. Il fait quoi, il fait moins 3 degrés là? Non, on va faire. Il fait moins 3 degrés. Et limite on aurait pu faire geler un truc dehors. Donc on est à Montréal, il fait froid. Et on vous quitte en mangeant nos Mister Freeze. Il fait super froid.